Allez, ma cocotte. Aujourd'hui est un autre jour. Un nouveau jour à Wagen. Je dois prendre le tramway jusqu'à l'académie de musique où Dana Rose a étudié dans les années 1930. Avec un peu de chance, ils auront archivé son dossier. Mademoiselle Lenny m'a dit que l'académie de musique se trouve près de la place musicale. Frau Wagner pourra peut-être m'en dire plus. Ah, bonjour, Miss Walker. Ah, Miss Walker, avez-vous bien dormi? Oui, merci. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? J'aimerais me rendre à l'Académie de musique. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller? Prenez la ligne nord du tramway jusqu'à la place musicale. Y a-t-il quelque chose de spécial à savoir à propos de l'Académie? À vrai dire, elle est un peu tristounette de nos jours. Ce qui est dommage quand on songe qu'elle a été le joyau de notre ville. Des étudiants venaient du monde entier pour jouer sur la place musicale, vous savez. Ah, hélas. Elle a perdu son panache d'antan, en raison du manque d'élèves et de moyens. Tout semble relier la personne que je cherche avec la Seconde Guerre mondiale et l'ascension de l'ombre brune. Une terrible époque, très chère. Surtout quand Wagen a été occupée après l'annexion de l'Ostertal. Dieu merci, je suis née juste après la libération. Je vois. Mais j'imagine que vous avez dû grandir avec le contre-coup de ces événements. Oui, très cher. Il y avait une sorte de conspiration du silence où tout le monde soupçonnait tout le monde, même leurs amis proches. Y en avait-il qui collaboraient avec l'ennemi? Et si oui, était-ce par conviction ou par simple lâcheté? Était-il responsable d'une manière ou d'une autre de l'arrestation ou de la mort d'un membre de la famille? Cela a dû être terrible. Une terrible époque, vraiment. La personne que je cherche appartient à cette génération. Ah, espérons qu'elle soit parvenue à survivre à toute cette folie. Je suis allée au refuge du Silberspiegel hier. Vraiment magnifique. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Ces montagnes sont la fierté de notre ville, tout comme la vieille Lenny. Lenny est tenue en haute estime à Wagen car elle a fait partie de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça? J'en ai entendu parler lorsque j'étais au refuge. Lenny Renner a peut-être l'air d'une vieille bique, mais elle reste une héroïne à nos yeux. Dommage que l'on ne puisse pas en dire autant de son père. Enfin, tout le monde a sa croix à porter, comme on dit. Que voulez-vous dire? Inutile d'être mauvaise langue. La guerre a été une période sombre pour tout le monde à Wagen. Ne ravivons pas de vieilles blessures. Bon, je crois que je vais y aller. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Frau Wagner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Reposez-moi! Oscar? Essaye de l'attraper! Oh que non! Repose-le! Immédiatement! Bon, d'accord. Oscar! Est-ce que tout va bien? J'ai connu une journée assez mouvementée, mais je suis ravie de vous retrouver, Catwalker. Oscar, oh, vous m'avez tellement manqué. Fichtre, cette exubérance me semble des plus déraisonnables, Catwalker. J'espère que vous ne prévoyez pas un tel débordement à chacun de mes changements de corps. C'est juste que je me suis fait du souci pour vous. Où étiez-vous passé, Oscar? Eh bien, l'instinct mécanique de mon hôte m'a emmené en promenade, jusqu'au bout de la ville. Il m'a fallu toute la nuit pour le maîtriser, et c'est alors que je suis tombée sur ces petits chenapans. Oui, heureusement que je passais dans le coin, hein. En effet. Alors, Catwalker, que s'est-il passé depuis notre séparation à la rivière Balatom? Je crois que nous devrions nous poser dans un coin, Oscar. Ça risque de prendre un moment. Et c'est ainsi que Mademoiselle Lenny m'a orientée vers l'académie de musique de ce quartier. Je vois, Catwalker. Autre chose, Oscar? Oui, j'imagine que je pourrais vous demander où nous nous dirigeons. Mais à vrai dire, la chose n'a que peu d'importance. Je vous suivrai où que vous alliez, et aussi longtemps que vous requérerez mes services, Catwalker. C'est ce que fait un automate. Merci, Oscar. Oh, Mazette, vous n'allez pas encore sombrer dans l'excès de tendresse, rassurez-moi. Non, Oscar, j'allais juste vous donner une petite tape sur le dos. Je vous saurais gré de bien vouloir vous abstenir de ce genre de comportement. Je ne suis pas un chien, vous savez. Il y a des limites. Oui, bref, nous ferions mieux d'y aller, Oscar. Et vous feriez mieux d'éviter de vous montrer. Oh, Mazette, j'imagine que je n'ai guère le choix. Je suis si heureuse de l'avoir retrouvée. Est-ce que tout va bien, Catwalker? Est-il bien nécessaire que je sois séquestrée de la sorte, Catwalker? Désolée, Oscar, mais je ne veux pas prendre le risque de vous perdre à nouveau. Les victimes du génocide commis par les fascistes durant la Seconde Guerre mondiale. Tant de morts. J'espère que Dana s'en est sortie. Toutes ces lettres? J'ai l'impression que ce sont des mises en demeure. Les factures n'ont pas dû être payées depuis un moment. Voici donc la fameuse académie de musique de Wagen? Pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Guten Tag! Quoi encore? Si vous êtes du conseil, vous n'aurez qu'à repasser quand je serai moins débordé.
Excusez-moi, mais vous m'avez fait peur. Oh. Bon, comme voulez-vous, Saïd du Conseil. Je n'ai rien à voir avec le Conseil, je suis juste en visite. J'espérais pouvoir consulter le dossier d'une étudiante des années 30. Oh. Pardonnez-moi, C'est juste que je n'ai pas le temps d'aller dénicher un dossier vieux de 70 ans. J'ai bien trop à faire pour ça, comprenez-moi. Je me rends bien compte que vous êtes un peu débordé. Où se trouve le reste du personnel? Ou bien peut-être qu'un élève pourrait me montrer? Vous vous adressez au recteur en personne, le seul et unique employé de cette académie. Je me nomme Maximilian Malheur. Et il me revient de gérer ces locaux à moi tout seul. La maintenance, l'archivage et le reste, avant de fermer le mois prochain. Alors, si vous permettez... Je suis vraiment navrée d'apprendre que l'académie va fermer. Et je vois bien que vous êtes extrêmement occupée, mais je suis venue de si loin pour ça. Je vous serai profondément reconnaissante de trouver ce dossier. C'est très important pour moi. Pour moi, c'est cet endroit qui est très important, voyez-vous. Et j'aimerais tant réentendre l'orchestre mécanique une toute dernière fois avant la fermeture de l'académie. Mais hélas, c'est impossible, n'est-ce pas? À moins que... À moins que quoi? Eh bien, vous savez. D'accord. Donc si je répare l'orchestre mécanique, vous me retrouverez ce dossier, c'est bien ça? Oh, bien sûr, Fräulein. Bien sûr. Bon, je vais essayer. Croyez-le ou pas, mais j'ai déjà vu des mécanismes tels que celui de cette place. Eh bien, en ce cas, je vous promets de vous donner le dossier en échange de vos services. Merci. Mais je dois vous prévenir que la place a subi pas mal de transformations au fil des ans. Certaines parties du mécanisme seront probablement difficiles d'accès. Ne vous en faites pas, je ne suis pas épaisse. Je me glisse dans les plus petits interstices. Certains des mécanismes sont dispersés sur la place. Et d'autres sont à l'intérieur du beffroi. Excusez-moi une seconde. Mais qu'est-ce que... Alors, quel est le nom de l'élève qui vous intéresse? Rose. Dana Rose. Et en quelle année a-t-elle étudié dans notre illustre académie? Dans les années 30, 1937 pour être précise. Oh, nous y voilà. Vous trouverez ici les rapports d'inspection annuelle des mécanismes par Frau Beckmann. Frau Beckmann? Elle a été rectrice de l'académie au cours des années que vous avez mentionnées. Et ça, c'est pour 1937. Je suis doté d'une mémoire exceptionnelle pour l'archivage. C'est pour cela que j'ai pensé à Frau Beckmann, parce qu'il y a là-dedans quelque chose qui parle de votre fameuse Edna Rose. Dana Rose. C'est ça. Vous trouverez aussi une partition comportant des annotations. Il s'agit de l'hymne de Wagen, que vous devrez jouer au piano sur la place, ce qui vous permettra d'activer l'orchestre des automates. Après avoir réparé tous les mécanismes, bien sûr. Allez hop, au boulot! Qu'est-ce que vous attendez? Cette partition correspond à la section piano de l'hymne de Wagen. Quelqu'un a ajouté des annotations. Elle pourrait m'aider à jouer l'hymne au piano sur la place, comme le recteur me l'a demandé. Je me demande ce que c'est censé représenter. Le rapport rempli par la rectrice de l'académie avec l'aide de Dana dans les années 30. D'après le recteur actuel, je devrais y trouver toutes les informations nécessaires pour réparer les mécanismes de la place. Rapport d'inspection de l'Académie de musique, 12 octobre 1937.
Aujourd'hui, j'ai été chargée d'inspecter les mécanismes musicaux qui permettent aux élèves de faire une démonstration publique de leur talent, ainsi que de la qualité de notre enseignement à la population de notre belle cité. Comme chaque année, j'ai fait appel à un volontaire parmi nos élèves pour m'assister durant cette inspection. Le choix de cette année s'est imposé de lui-même. Je vais bien, je t'assure. Je te trouve toute palote, ma chérie, et vraiment à cran. Mais non, c'est juste que je n'ai pas eu de nouvelles de Léon depuis qu'il a quitté Kantar avec l'expédition Origine. Et puis je... Ah, nous avons de la compagnie. Tu me raconteras ça plus tard, en attendant, sois sage. Et prends soin de toi. Toi aussi, Yunta. Tout va bien? Vous avez les traits tirés. Il ne faudrait pas que notre meilleur et plus brillant élève tombe malade maintenant, tout de même. Merci de votre sollicitude, Frau Beckmann, mais je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Et qui était cette demoiselle? Juste une amie. Je l'ai rencontrée cet été. Vous avez de bien étranges fréquentations, Fräulein Rose. Bref, je pense avoir de quoi vous changer un peu les idées. Ah ? Cela vous intéresserait-il de voir les mécanismes qui vous ont permis de réussir si brillamment votre concert ici au printemps dernier ? Ce serait merveilleux. Bien. Venez me rejoindre dans le kiosque lorsque vous aurez un moment. Ne tardez pas trop tout de même. Venez voir, Fräulein. Incroyable. N'est-ce pas? Vous voyez ces fanions? Chaque mécanisme qui abrite l'un des automates musicaux de la place est représenté par l'un de ces fanions. C'est fascinant. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les opérations de maintenance. Chaque mécanisme a été révisé par un technicien de l'académie. En théorie, ils sont tous fonctionnels. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir ces techniciens de ma part afin de récupérer leurs rapports respectifs. Vous me rendriez un grand service car je dois inspecter le piano du kiosque. Et puis, ce sera l'occasion de jeter un coup d'œil à chacun des mécanismes des automates. Merci. J'en serais ravie. Tenez, prenez ceci. Vous en aurez besoin pour ouvrir le local technique qui mène au mécanisme le plus impressionnant de tous, celui du beffroi. Merci, Frau Beckmann. Avez-vous des questions avant d'y aller? Lorsque l'orchestre mécanique a joué avec moi au printemps dernier, c'était féerique. Mais... comment fait-il pour suivre le même tempo que celui du piano? Je me serais crue dans un rêve. Les rêves n'ont rien à voir là-dedans. Tout est mécanique. Le piano est relié au mécanisme que vous allez inspecter. Et l'hymne de Wagen doit être joué sur le clavier. C'est cela qui détermine le rythme et l'intensité de la performance. Et qui active tout le reste. Savez-vous qui a construit l'orchestre mécanique? Mon père m'a dit qu'il n'existait pas quand il était jeune. Il a été construit par un étrange jeune inventeur français du nom de Vorarlberg il y a quelques années. On raconte qu'il était de passage à Wagen lors d'un voyage vers l'Est, juste après qu'un grave incendie eut détruit la ville. Il fut ému par la légende de Vera Schönberg, cette virtuose qui mourut dans l'incendie. Aussi offrit-il ses talents pour reconstruire la ville
et créer l'orchestre mécanique. Qu'est-il arrivé à Vera Schönberg? Ma mère m'a toujours dit que c'était une histoire tragique. Et elle a raison. Vous savez certainement que Vera Schönberg était la plus célèbre musicienne wagenoise du début du siècle. Mais elle n'est entrée dans la légende que le soir où elle a joué un concerto au violoncelle, juste ici, sur la place. La fameuse nuit où s'est produit le pire incendie de toute l'histoire moderne de Wagen. Et Frau Schönberg, elle a péri dans l'incendie, c'est ça? En effet. Ainsi que tous les autres musiciens. Et la totalité du public. Ils se sont retrouvés encerclés par les flammes, pris au piège sur cette place. C'est terrible. Oui, terrible en effet. Mais d'après la légende, Vera Schönberg a continué à jouer l'hymne de Wagen jusqu'au bout. Elle avait compris qu'ils étaient tous condamnés. Et sa musique leur a apporté un peu de sérénité dans leurs derniers instants. Cet automate avec qui vous avez joué au printemps dernier fut créé à son image, en tant que dernier hommage. Je n'en savais rien. Eh bien, à présent, vous connaissez tout sur la légende de Vera Schönberg. Autre chose, Fraulein Rose? Je vais aller voir l'équipe de maintenance. Bien. Merci, Fraulein. D'après Frau Beckmann, elle ouvre le local technique à côté du beffroi. Une partie du mécanisme avait été endommagée, mais je l'ai changée. Vous pourrez dire à Frau Beckmann que tout est en ordre à présent. C'est que ça. J'ai bien du mal à croire que j'ai joué en public ici il y a 6 mois à peine. 6 mois. Une éternité. Tant de choses se sont produites. La rencontre avec Léon, déjà. Si seulement il pouvait être ici. J'adore recevoir ses lettres depuis qu'il est parti au Baltaïar avec l'expédition Origine. Sa manière de dépeindre Kantar, la capitale, donne l'impression que cette ville a surgi d'un rêve. Nous nous sommes tant dit sur le papier. J'adore lire entre les lignes. Mais depuis que l'expédition a quitté Kantar pour s'aventurer dans les montagnes, plus de nouvelles. J'espère vraiment qu'il va bien. Vous pourrez dire à Frau Beckmann que cet automate fonctionne encore correctement, mais qu'il est tellement sale que ça durera pas. Il va me falloir la journée pour tout nettoyer, dans l'espoir qu'il passe l'hiver.
Il a l'air parfaitement fonctionnel. C'est donc vous que Frau Beckmann a envoyé. Vous pourrez lui dire qu'il n'y a aucun problème avec cet automate. Il a simplement besoin d'un petit coup de nettoyage et d'un peu d'huile. Jetez donc un coup d'œil au mécanisme si ça vous chante. J'ai l'impression que le recteur avait raison, Oscar. Je devrais pouvoir trouver les mécanismes qu'il souhaite que je répare en suivant le circuit que Dana a décrit dans le rapport. À condition toutefois que nous puissions encore y accéder aujourd'hui, Kate Walker. Je suis heureuse de constater que vous n'avez rien perdu de votre légendaire optimisme, mon cher Oscar. Excusez-moi. Ouais. Encore ? Il est clair que vous n'appréciez guère la modernisation de la place. Le conseil municipal, dans sa grande sagesse, a estimé archaïque et imprévisible que les automates musicaux ne puissent être activés que par les meilleurs élèves de l'académie. Par un soliste ou un virtuose de passage Wagen. Sans parler des artistes de rue qui n'attirent pas vraiment les touristes. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient tout électrifier et informatiser l'activation du concert mécanique. Ceci afin qu'ils jouent à heure fixe, comme une attraction. Et l'ont-ils fait ? Oh, les discussions se sont éternisées, et finalement rien n'a été fait. Ainsi la place a quasiment été abandonnée. Et les automates musicaux ont fini par se dérégler. Il y a un petit problème. Même si je parviens à réparer les différentes parties de l'orchestre mécanique, il faudra encore que j'arrive à jouer du piano correctement, et je n'ai pas touché un piano depuis l'école primaire. Ma mère m'en avait acheté un quand j'étais petite, mais ça n'a jamais été mon fort. Ne vous en faites pas pour ça. Il n'y a pas besoin d'être une virtuose pour activer le mécanisme. L'orchestre mécanique sortira si vous jouez toutes les notes, dans le bon ordre, indifféremment du rythme. Il vous suffit d'avoir quelques rudiments de solfège. Pourquoi l'académie va-t-elle fermer ? Pour la simple raison qu'il n'y a plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours. Plus de cours, plus d'académie. Ma question va vous paraître stupide, mais pourquoi n'y a-t-il plus d'élèves ? Parce que le maire a supprimé la subvention qui permettait à notre belle institution de rayonner dans le monde entier. Pourquoi a-t-il fait cela ? Une histoire de restrictions budgétaires. Du coup, plus d'équipes, plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours, je vois. Mais entre vous, moi et ce comptoir, je pense que tout ceci n'est qu'un prétexte pour nous faire déguerpir du bâtiment. Qui pourrait avoir intérêt à faire ça ? Ceux qui veulent gagner des sous. Les promoteurs immobiliers qui vont découper notre belle institution en boutiques, en appartements et en espaces de bureaux. Comme ils l'ont fait avec tous les autres bâtiments jouxtant la place musicale. Bon, je ferai mieux d'y aller. Oui, voilà. Bonne chance avec les mécanismes, Fraulein. Un automate musicien, tout à fait dans le style de Hans, comme à Barockstadt.
quelque chose qui cloche. Il semble avoir cherché à intégrer les nouvelles boutiques dans les façades d'origine. Cela n'en fait pas moins un grossier piège à touristes. Je n'arrive pas à y croire. Cette fichue camionnette m'empêche d'accéder au mécanisme. Je vais devoir trouver un moyen de la faire bouger. C'est verrouillé. Je ne peux pas entrer. Il ne me semble pas avoir croisé la moindre référence à ce code dans le rapport. Vu l'état de ce couvercle, il devrait céder facilement si je force un peu. Impossible, Kate Walker. Cela constituerait une infraction. Eh bien, espérons qu'aucun policier n'aura l'idée de passer par là. On dirait qu'il manque une pièce. La connexion entre ce mécanisme et ceux de la place semble opérationnelle. Nous allons devoir trouver tous les automates, Oscar. D'après le rapport de la rectrice, le modèle réduit situé à côté du piano dans le kiosque indique leur position et s'ils sont en état de fonctionnement. Je dois trouver le propriétaire. Cette enseigne se répandait partout à New York lorsque... Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. Que puis-je faire pour vous? Il y a beaucoup de touristes sur la place. Effectivement. Cet endroit attire des milliers de clients chaque année. Une véritable bénédiction pour les boutiques telles que la nôtre. Et pour les habitants aussi? Ça, je ne saurais le dire. Moi, je vis en banlieue, comme la plupart des gens d'ailleurs. Vu le prix exorbitant des loyers, ça n'a rien d'étonnant. Comment se fait-il que cette place soit si célèbre? C'est à cause de l'orchestre mécanique qui s'y trouve. C'était une sacrée attraction avant. Chaque année, le meilleur élève de l'académie venait y jouer, ainsi que de célèbres musiciens venus du monde entier. Oh, voilà qui est intriguant. Quelqu'un doit en jouer aujourd'hui? Je crains bien que non. Cela fait quelques années que le conseil municipal parle de l'informatiser. Mais cela ne s'est jamais fait, et personne n'a plus entendu sa musique depuis. Que savez-vous à propos de l'Académie de musique de Wagen? C'est le grand bâtiment de l'autre côté de la place, là-bas. Il jouissait autrefois d'une renommée internationale. Autrefois, plus maintenant? D'après ce que j'ai compris, plus grand monde ne vient y étudier de nos jours. Je ne serais qu'à moitié surpris si elle était fermée. Que s'est-il passé? Des coupures budgétaires du conseil municipal, il me semble. Une telle académie ne doit guère être très lucrative. Je vois. Merci, je vais vous laisser. Auf Wiedersehen, Fräulein. À votre service.
Hey, attention à ce que vous faites là-dedans, hein? Faudrait pas aller vous blesser ni endommager quoi que ce soit. Les pièces détachées pour les automates de la place. Je descends tout juste de la tour. Vous pourrez dire à Frau Beckmann que tout est en ordre. Le mécanisme est en parfait état. D'après ce que le technicien a dit à Dana, il devrait y avoir un accès au beffroi, quelque part dans la salle. Oh, j'ai déjà tout vérifié là-haut. Vous n'avez absolument pas besoin d'y aller. Cet ascenseur que Dana a voulu prendre, il mène au beffroi. Nous devons le trouver, Oscar. Je devrais retourner auprès de Frau Beckmann. D'après le rapport, il est possible d'accéder au mécanisme du beffroi par ce bâtiment, dans ce qui doit être aujourd'hui l'arrière-boutique. L'ascenseur que Dana a vu au cours de son inspection doit se trouver là, derrière cette porte. Je dois trouver un moyen d'y accéder. Ah, Fräulein. Alors, vous avez encore besoin de quelque chose? Eh bien, je... J'aurais besoin d'accéder à votre arrière-boutique. Ici? Oui, si cela ne... Je suis désolé, l'accès en est strictement interdit au public. Et puis, que pouvez-vous bien vouloir y faire? Il semblerait que le seul moyen d'accéder au beffroi se trouve dans cette arrière-boutique. Et c'est là que je dois aller. Je suis désolé, mais c'est contraire au règlement. Je ne peux pas vous y autoriser. Ok, merci quand même. Bon, je dois trouver un autre... Je devrais pouvoir passer par là, à condition de pouvoir l'atteindre. Il ne me reste plus qu'à trouver l'ascenseur du beffroi. Dois-je... D'après le rapport, l'ascenseur devrait se trouver quelque part derrière. Espérons qu'il n'ait pas été muré depuis. Là. Ok. Je n'ai plus qu'à libérer le passage.
Ils sont toujours aussi magnifiques, en dépit de leur âge. Je me demande depuis combien de temps ils n'ont pas été activés. Pour le moteur. Maintenant, je dois ouvrir ces grandes portes. Félicitations, Kate Walker. Vous me semblez être sur la bonne voie pour parvenir à satisfaire la demande du recteur. Merci, Oscar. Mais il me reste encore à trouver les autres mécanismes. On dirait une pièce détachée d'automate. La connexion entre ce mécanisme et ceux de la place semble opérationnelle. J'ai fait la moitié du travail. Voyons la suite.
fonctionne à présent. Plus qu'un dernier. Firma Dietrich. Guten Tag. Bonjour, excusez-moi, mais votre camionnette est garée sur la place et elle bloque le passage. Vous serait-il possible de la déplacer? Oh, désolé madame, je suis avec un client juste à côté. Je vais la déplacer tout de suite. Merci beaucoup. C'est verrouillé. Thank you.
Il n'y a pas d'air qui circule. J'ai dû louper quelque chose. C'est verrouillé. Il y a quelque chose qui cloche. Je me demande comment faire pour configurer correctement ce mécanisme. Nous devrions suivre les indications mentionnées dans le rapport. Dana a dû voir ce mécanisme à l'époque où il fonctionnait encore. Il y a quelque chose qui cloche.
Bon, voilà. Je crois que c'était le dernier. Effectivement, Kate Walker. Vous devez regagner le kiosque afin d'activer le piano de la place comme le recteur vous l'a demandé. Cette roue semble conçue pour activer le moteur du piano, par une habile exploitation de l'effet dynamo, Kate Walker. Si j'ai bien compris, je vais encore devoir me creuser les méninges. Bon, la partition est en place. Pauvre petite chose. Nul besoin de verser dans le sentimentalisme, Kate Walker. Cet automate a été conçu pour remplir une fonction spécifique. Il n'a aucune notion des sentiments. Je pourrais même aller jusqu'à affirmer qu'il s'agissait d'un automate monofonctionnel, contrairement à nous autres. Automate plus évolué, conçu pour nous acquitter d'une multitude de tâches. Cassé. Attendez, Kate Walker. Je suis un automate hautement évolué. Oui, et conçu pour s'acquitter d'une multitude de tâches. Allez, hop, au boulot. Je suis au regret de constater que vous n'avez perdu aucune de vos détestables habitudes, Kate Walker. Voyez le bon côté des choses, Oscar. Grâce à vous, le piano fonctionne désormais. Eh bien, hâtez-vous et utilisez-le comme l'a demandé le recteur. Thank you.
maîtresse. Est-ce que tout va bien, Kate Walker? C'est le même. Exactement le même. Je vous demande pardon? Le morceau que je viens de jouer avec les automates, l'hymne de Wagen. C'est exactement la même mélodie que celle de la boîte à musique de ma mère. Je l'écoutais sans arrêt quand j'étais petite, mais nous n'avons jamais réussi à savoir ce que c'était. Et l'avoir découvert aujourd'hui constitue une avancée majeure, car... Car cela signifie qu'il doit exister un lien entre Wagen, ma mère, et probablement Dana aussi. Dana, qui me ressemble tant. Ah, une sorte de connexion familiale. Je n'en sais rien, mais c'est possible. Et je peux vous assurer que je vais le découvrir, dès que j'aurai à nouveau retrouvé la piste de Dana. Allons-y, Oscar. Le recteur Malheur me doit un dossier. Vous ai-je déjà signalé à quel point je trouve ceci humiliant? Oh que oui, Oscar. Je pense que oui. Oh, merci, merci. J'ai tellement apprécié votre concert. Maintenant, je peux prendre ma retraite. Heureuse d'avoir pu rendre service. Je crois que vous avez un dossier pour moi. Oh, bien sûr, bien sûr. Le voici, Dana Rose, comme convenu. Merci. Enfin. L'adresse du domicile de Dana en 1937. Une maison individuelle, au numéro 20 Brücke der Nebel. Le pont des brumes. Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Je pense que oui. Eh bien, merci. Et au revoir. Non, merci à vous, Fraulein.
Vraiment, la façon dont vous me faites voyager est des plus déplaisantes. Je sais, Oscar. Je vous promets de vous laisser sortir dès que ce sera possible, d'accord? Bon, Oscar, nous devons maintenant trouver l'ancienne maison de Dana. Vous souvenez-vous du numéro, Kate Walker? D'après le formulaire d'inscription de l'Académie de musique, c'était au numéro 20. Le pont est exactement le même que dans les années 30. Sauf qu'il est plus propre, ce qui lui donne un petit air neuf. Il a dû être rénové. Un livre qui traite de l'histoire de Wagen pendant la guerre. Il pourra peut-être m'être utile plus tard. Voici le numéro 20. L'ancienne maison de Dana. Guten Tag, Fräulein. Tous nos souvenirs sont fabriqués main par des artisans de Wagen. Made in Wagen. Encore des souvenirs. Je crois que j'aurais préféré que ce soit un magasin de tableaux. En vacances dans la région, Fraulein? Juste de passage. Bienvenue dans ma modeste boutique de souvenirs. Frau Eagle pour vous servir. J'ai vu que vous étiez intéressée par un souvenir, Fraulein. Oui, vous avez de merveilleux articles, Frau Eagle. Votre boutique est magnifique. Je vous remercie. Tous nos souvenirs sont de fabrication artisanale et nous en sommes fiers. De l'artisanal local. Souhaitez-vous acheter ce souvenir, Fraulein? Eh bien, je suis plus à la recherche de quelqu'un que de quelque chose. Quelqu'un qui a vécu dans cette maison et je me demandais si vous pourriez m'aider. Il y a eu tant de propriétaires avant que j'achète la boutique à l'automne dernier, je ne pourrais pas vraiment... Elle s'appelait Dana Rose. Elle a habité ici avant la guerre. J'espérais pouvoir retrouver des traces d'elle ici afin de poursuivre mes recherches. Je vois. Je sais que les Roses ont vécu ici, mais je ne saurais dire s'il reste quoi que ce soit venant d'eux dans la maison. Mais vous n'habitez pas ici? Non, mon mari et moi vivons en banlieue.
Vous savez, le pont a été saccagé peu avant la guerre, au cours du pogrom contre les Vagueran. Oh, de terribles événements. Ensuite, le quartier a été bombardé juste après la guerre, pendant la libération. De nombreuses maisons ont été endommagées, y compris celle-ci. Toutes ont été rénovées à la hâte après la guerre, mais elles sont restées dans un piteux état. La maison n'a pas l'air d'avoir été si endommagée que cela, à ce que je peux voir. Votre boutique est charmante, tout comme le reste du quartier. Merci. C'est parce qu'après la rénovation initiale, le conseil municipal a financé un vaste programme de réhabilitation des façades. Mais, à vrai dire, ils ont laissé les propriétaires assumer les frais pour les intérieurs. C'est pour cela que mon mari et moi avons dû dépenser toutes nos économies pour que l'intérieur de cette boutique soit au niveau de la qualité que nous exigeons de nos fournisseurs. C'est une honte. Tout à fait. Et si le conseil persiste à refuser de financer les travaux de rénovation, il ne restera plus le moindre résident sur le pont, et encore moins de boutique indépendante de qualité comme la mienne. Il n'y aura plus que de banales boutiques franchisées, comme un peu plus loin sur le pont ou comme sur la place musicale. Vous m'avez parlé d'un pogrom contre la communauté Vagueran du quartier. Pourriez-vous m'en dire plus ? Autant que n'importe quelle personne connaissant un peu Vague, j'imagine. Cela s'est produit en 1938, si je me souviens bien. Quelques mois après l'annexion de l'Autriche et de l'Ostertal par l'Ombre Brune. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'Ombre Brune a organisé des émeutes contre les Vagueran sous de faux prétextes. Cela a entraîné des pogroms à travers tous les pays annexés, y compris dans cette maison. Les Roses étaient présents quand ça s'est produit ? Comme je vous l'ai dit, Fraulein, je n'en sais rien, mais j'espère que non. Donc, entre le pogrom, les bombardements et la rénovation de toute la maison, il y a peu de chances que je retrouve la moindre trace des Roses. Eh bien, pas forcément. Pour être honnête, nous n'avons pas eu les moyens de rénover le reste de la maison. Donc les étages supérieurs nous servent de réserve. Vraiment ? Et maintenant que vous le dites, je me souviens être tombée sur de vieilles photographies datant d'avant la guerre, un peu partout dans la maison. Les propriétaires successifs n'ont pas dû vouloir les jeter, et elles sont restées là depuis tout ce temps. Me permettriez-vous de monter et jeter un coup d'œil ? À moins que vous ne préfériez m'apporter ces photos vous-même. Oh, je ne peux pas me permettre de laisser la boutique sans surveillance. Et puis, je vous connais à peine, Fraulein. Je comprends. Dans ce cas, ça vous gênerait que j'aille moi-même y faire un tour ? Ne le prenez pas mal, Fraulein. Mais je vous connais trop peu pour vous faire confiance. J'en suis désolée. À présent, si vous voulez bien m'excuser, un client m'attend. Je présume que vous avez échoué à convaincre la commerçante, Kate Walker. Comment comptez-vous faire pour accéder aux étages supérieurs, à présent ? Je n'en sais rien, Oscar. En faisant preuve de créativité ? Voilà bien une chose pour laquelle on peut vous faire confiance, Kate Walker. J'ai l'impression que les gens du coin ont une dent contre le conseil municipal. Je suis désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire pour vous actuellement. Ce n'est pas le bon.
C'est pile dans le champ de vision de Frau Eagle. Je vais devoir l'attirer ailleurs si je veux pouvoir emprunter cette porte de service et accéder aux étages. Encore des souvenirs. Je crois que j'aurais préféré que ce soit un magasin de tableaux. Frau Eagle ne me laissera pas emprunter l'entrée de service. Que puis-je faire? Souvenez-vous de Nick Quentin, Kate Walker. Quoi de mieux qu'une diversion? Excusez-moi, je suis en train de servir le monsieur. C'est une bonne idée, Oscar. Mais comment voulez-vous que je fasse diversion? Cette Frau Eagle semble beaucoup se soucier de la qualité des produits de sa boutique. Peut-être pourrions-nous y ajouter quelque chose d'un peu plus... exotique? C'est une bonne idée, Oscar. Mais comment voulez-vous que je fasse diversion? Cette Frau Eagle semble beaucoup se soucier de la qualité des produits de sa boutique. Peut-être pourrions-nous y ajouter quelque chose d'un peu plus... exotique? Je ne vais pas partir maintenant. J'ai encore affaire ici. Je dois trouver un moyen de détourner l'attention de Frau Eagle. Utilisez le distributeur situé à proximité de la boutique de souvenirs, juste à côté de l'escalier du tramway. À la mémoire de tous ceux ayant perdu la vie au cours de cette terrible nuit. C'est sûr que ce souvenir n'a pas été fait à Wagon. Oula, quelle horrible version de l'hymne de Wagon.
Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pardonnez-moi, monsieur. Ah, voilà. C'est ignoble. Cette chose n'a rien à faire dans ma boutique. Nous ne vendons pas ce genre de lamentable camelot ici. Super. Je crois que Frau Eagle n'a rien remarqué. Pourquoi ne pas localiser la chambre de Dana Rose, Kate Walker? Vous pourriez alors chercher d'autres indices à son sujet. Bonne idée. Espérons juste que Frau Eagle n'aura pas l'idée de monter. Cette photo montre la maison partiellement détruite. Elle a dû être prise après les bombardements ayant précédé la libération de Wagen. C'est ici que Frau Eagle doit venir prendre ses pauses. En souvenir du lien éternel unissant les Rose et les Zimmer. Signé Adam Z. Il fait sombre ici. Rien de surprenant avec ces fenêtres condamnées. Le stock de la boutique. Rien d'intéressant par ici. Un lit à deux places, bien grand. Ça devait être la chambre des parents de Dana. Mais alors, où se trouve la chambre de Dana? Quelque chose cloche au niveau du nombre de pièces. C'est justement ce dont j'avais besoin. Un portrait de famille. Sûrement Dana et ses parents.
D'après la lumière et l'horloge située derrière Dana, sa chambre devait être orientée plein nord. Ah. La chambre en arrière-plan du portrait doit se trouver dans le grenier. Ça a été muré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Eagle. Ça y est, Oscar. Je crois savoir où se trouve la chambre de Dana. Éclairez donc ma lanterne. Eh bien, une des photos montre une chambre qui ne se trouve pas au deuxième étage, pas vrai? Et nous savons que l'escalier a été muré au cours des rénovations et qu'il menait à un autre étage. C'est donc là que nous pourrons trouver la chambre manquante de Dana. Cela semble plausible, en effet. Mais oui, si ça se trouve, la chambre sera telle que Dana l'a laissée il y a tant d'années de cela. Donc potentiellement truffée d'indices qui nous mettront sur sa trace. Il faut juste que je trouve un moyen d'atteindre cette chambre au troisième étage. Attendu que vous avez échoué à établir une relation positive avec Frau Eagle, la prochaine étape rationnelle consisterait à étudier l'extérieur du bâtiment. Vous avez raison. Allons voir ça. Oscar, j'aurais besoin de votre avis. Ah, voilà qui est mieux. J'ai l'impression que cet escalier de secours dessert tous les étages de la maison. C'est exact, Kate Walker. Vous devriez chercher un moyen de l'emprunter. Vous en dites quoi, Oscar? J'en dis que j'aurais apprécié un corps doté de pattes avant plus longues. Je parlais de cette fenêtre, là-haut. C'est pas la chambre de Dana? Oh, bien sûr. Il y a une forte probabilité pour que vous soyez dans le vrai, Kate Walker. J'ai l'impression que cet escalier dessert tous les étages, y compris celui de Dana. Je présume que vous avez probablement raison, Kate Walker. Nous ne pourrons pas accéder à l'escalier depuis les fenêtres du premier étage. Les fenêtres du deuxième étage ne nous aideront pas à atteindre l'escalier. En effet, Kate Walker, toutes les fenêtres que vous auriez pu utiliser sont obstruées.
L'échelle du premier étage est relevée et bien trop haute pour que je puisse la descendre. Il semble y avoir un mécanisme pour faire descendre l'échelle. Cette gouttière donne sur un rebord qui mène à l'escalier. D'après mes calculs, la gouttière ne supportera pas votre poids, Kate Walker. Et même si vous étiez moins lourde, le rebord est trop étroit pour que vous puissiez y tenir. Hey, essayez-vous de me faire passer un message, Oscar? Oui, vous êtes trop lourde et trop volumineuse, Kate Walker, pour ce rebord. Sympa, merci, Oscar. Pour résumer, il ne sera pas simple d'utiliser cet escalier pour accéder à la chambre de Dana. C'est la seule solution. L'accès y est impossible depuis le premier et le second étage, et l'escalier menant au troisième étage a été muré. L'escalier de secours est la seule possibilité, Kate Walker. Mais vous ne pourrez pas escalader la gouttière compte tenu de votre corpulence. C'est bon, j'avais compris, merci. Mais de rien, Kate Walker. Le seul moyen de monter consisterait donc à passer par l'escalier de secours, ce qui nécessiterait d'abaisser l'échelle du premier étage. Dans ce cas, il ne reste qu'une solution. Étant si léger et si mince, mon cher Oscar, vous allez escalader la gouttière et marcher sur le rebord à ma place. Il vous suffira alors d'activer le mécanisme de l'échelle pour que moi et mes grosses fesses puissions prendre l'escalier. Je n'ai pas été conçu pour escalader les gouttières, Kate Walker. Je suis un automate de haute précision. Allez, Oscar, vous m'avez sauvé la mise plus d'une fois à Baranour. C'est devenu comme une seconde nature chez vous. Mais comment pourrais-je m'abaisser et trottiner comme un rat? Faut-il vous rappeler que vous êtes un chic type et mon fidèle ami? Et toi, Walker, à l'aide! Je crois que je suis coincé. Pas de panique, Oscar! J'arrive! Oh, faire de la grimpette comme un vulgaire écureuil! Quelle disgrâce! Tout va bien là-haut? Oui, Kate Walker. J'ai seulement besoin de... Ah! Accrochez-vous, Oscar! Oh, je m'accroche, Kate Walker. Croyez-moi, je m'accroche. Vous devez sauter maintenant, Oscar. Vite! Bien joué, Oscar. Heureuse que vous vous en soyez sorti vivant. C'est la moindre des choses après m'avoir mis dans cette situation. Heureuse aussi que vous ayez gardé votre bon caractère. Ce corps inutile, je vais devoir trouver un autre moyen. Et c'est reparti pour la grimpette. Faites bien attention, Oscar. Voilà qui n'annonce rien de bon. Oh, Mazette. Mademoiselle Pigeon? Oh, Madame Pigeon, pardonnez-moi. Bref, Madame Pigeon, auriez-vous l'obligeance de me laisser passer? Je crois que je vais avoir besoin d'aide. Kate Walker, je vais encore avoir besoin de votre aide. Ok. Mais comment se débarrasser de ce pigeon? Je ne vais pas jeter ça sur le pigeon, mais je peux m'en servir autrement. Kate Walker! Désolé, Oscar!
Ça fera l'affaire, apparemment. Ce corps va peut-être montrer son utilité, en fait. Walker, si j'avais été conçu pour servir de boulet de canon, on m'aurait équipé d'une mèche. Ceci est tout à fait irrégulier. Rentrez la tête, Oscar. À la une... Si Hans Vorarlberg pouvait me voir en ce moment... À la deux... À la trois... Indignité! Mazette! Mazette! Vraiment, est-ce une façon de traiter un automate intelligent? Oh, si Monsieur Vorarlberg me voyait! Il vous dirait, tu as encore sauvé la mise, Oscar. Tu as surpassé toutes mes attentes. Bon. Essayons de découvrir ce qui est arrivé à Dana après son départ du refuge. Cela ne fait aucun doute, il doit s'agir de la chambre de Dana. Il en manque un morceau. Il provient de l'Académie de musique. Des symboles musicaux, mais ils ne semblent pas avoir de rapport avec le diplôme. C'est bloqué. La chambre a été saccagée et pillée. Probablement au cours d'un pogrom de l'ombre brune. Mon Dieu, j'espère que Dana n'était pas là ce jour-là. Il y a quelque chose en dessous. Je peux pas l'atteindre. Ça ne doit pas être si lourd. Voilà qui est mieux.
C'est pas vrai. Je suis certaine qu'il s'agit de... Les différents trous de la serrure semblent avoir des hauteurs différentes. Je me demande pourquoi. Les différents trous de la serrure semblent avoir des hauteurs différentes. Je me demande pourquoi. C'est bloqué. Je pourrais jurer avoir trouvé la bonne combinaison. Que pourrais-je faire d'autre avec les roues en plus des symboles ? Ça ne s'ouvre pas. Pourtant, je suis sûre que la combinaison de symboles est bonne. Il doit falloir faire autre chose avec les roues. C'est pas vrai. Je suis certaine qu'il s'agit de la bonne combinaison de symboles. J'ai dû louper un truc. Peut-être que les symboles ne sont pas les seules choses à placer correctement sur chaque roue. Je pourrais jurer avoir trouvé la bonne combinaison. Que pourrais-je faire d'autre avec les roues en plus des symboles ? C'est bloqué. Ce truc est coincé. C'est bloqué. Ce truc est coincé. C'est bloqué. Ça a été écrit peu de temps après son séjour au refuge. Une lettre de Léon. Il a donc bien répondu à Dana après que l'expédition ait quitté Kantar, la capitale du Baltayar. Au plateau du Baltayar, 25 octobre 1937. Mon petit Edelweiss. J'aurais tant aimé t'écrire plus souvent et recevoir en retour de tes nouvelles. Je me trouve désormais là où sans doute nul homme moderne ne s'est jamais aventuré. Je regrette de devoir t'annoncer que je ne rentrerai pas en Europe avec les autres survivants.